Ouais. C'est bon? Bien. Foli bi an filɛ bɔ ni an kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma, n bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn. An b'a fɔ an tilenna yɛrɛ la yɛrɛ filɛ ma, ala ka an si yɛrɛ yɛrɛ fɛnɛ la. Laadala ko la n'a fɔ an bɛ deli k'a fɔ a ye cogo min na, ani Honorable Abubakar Sidiki avocasi fanba, ani ale ye commissaire de santé président ba ye CNT kɔnɔna la, Koroma porte parole don, ani ale bɛ ɲɔgɔn na bi, n'a fɔ aw deli k'a ye laadala cogo min na. O hukumu kɔnɔna la bi an bɛna ɲɔgɔn kari kɛ ka ɲɛsin fɛn caman ma. Ni ala sɔnna da bɛna don ka fɛn caman ɲɛfɔ aw ye mali ko la, mali kunu ka se a bi ma. Ni ala sɔnna an bɛna kuma nin bɛɛ lajɛlen kan, nka yanni o cɛ sa, kuma di Honorable Abubakar Sidiki fɔnba ma, ale bɛna foli kɛ ka bisimilali kɛ. An b'a fɔ nka aw tulo ɲɛgɛnnen don kosɛbɛ, ka d'a kan bi émission ani don tɔ émission tɛna kɛ kelen ye, sabula bi ta révélation caman bɛna k'a kɔnɔ ka kɛɲɛ ni min ye fɛn caman ye. Ni ala sɔnna an bɛna da don nin bɛɛ lajɛlen na. Walasa an b'a ɲini aw fɛ aw sɔrɔlen ka to Info 7 sur 7 la, ka taa se Musabugu 24 ani Kakuma Plus, fo ka taa se Malikura Web TV, ka se nin bɛɛ lajɛlen ma. Donc walasa an b'a ɲini aw fɛ aw sɔrɔlen ka to la, a ka partager, ka like, ka caya kosɛbɛ. Honorable Sidiki fɔnba, i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔna la kokura. N bɛ aw bɛɛ fo k'a ɲini Masa Rahamani fɛ, o min ye bi don yira n'an b'a barika da. An dusu kasilen don k'a sababuya kɛ ne yɛrɛ n tɔntɔn min ye n ladon n'o ye Moribo Kuyate, ala y'a ka kalifa minɛ a la. Jeudi don an y'a ka suturali kɛ juma don. O kun kelen kɔnɔna na an yɛrɛ ka CNT ɲɛmaaba Maliki Jao, ala ye a yɛrɛ tanti an'a yɛrɛ tɔntɔn olu fana ka kalifa minɛ n'u la. An ye sudon kelen kɛ Bamakɔ yan, filanan bɛ ka kɛ Segu bi. Donc commission santé développement social tɔgɔ la, en tant que président an b'a fɔ ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na, ala ka u dayɔrɔ suma. CNT yɛrɛ bonyaba kɛ ne yɛrɛ tɔntɔn ka banni na. An b'a ɲini maa ma sen sera a kɛnɛ kan, ka daminɛ n kɔrɔkɛ la ka taa an ka vice présidente la, ani dɔgɔkɛ Adama Fɔnba, ani Honorable Jɛnta, bɛɛ fɛn fɛn sen sera ye an b'u bɛɛ lajɛlen fo. An b'a fɔ président masa minnu banna, ani ne yɛrɛ masa minnu banna, ani su o su sarasi su fara sibiri su kan, ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na, ala ka u dayɔrɔ suma. Jamana bɛ bolo min kan halisa ala ka barika don Mali la. Ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen ala ka kɛcogo ɲuman ɲɛna u la, ala ka dugumɔgɔw hinɛ don u la, ala ka taabolo ɲuman d'u ma, ala ka miirina ɲuman d'u ma. N bɛ aw yɛrɛ fo ka maliyɛn de la diaspora bɛɛ lajɛlen fo. An b'a ɲini ala fɛ halisa an bɛna kuma minnu fɔ ala ka kuma kɛ ka jamanadenw nafa. Ni kuma bɛ bɔ an da ni tiɲɛ don, n'a ma ɲi jamana ma ala ka n'o tiɲɛ bɔ an da. Ɔ ni kuma yɛrɛ bɛ bɔ an da ni nkalon don, n'a bɛ Mali jɔ, ala k'o kuma don an da, jamana bɛ se ka jɔ tugun. Donc a hakɛto bɛ nin na salala mama. Wasalim Honorable, an b'a ala deli yarabi yama ko jɔ fɛn bɛɛ ala fɛ ni ma ba na tali ma. Alahu taala ya an da jɛnɛ nin kama, tanɲɛ b'i kɔ o de kama ɲɛ. An bɛ ala deli yarabi yama ala ka nin bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ suma, ala k'o fara a fana su kan kira bonya kosɔn. Honorable, sisan daminɛ sa an bɛ tɛmɛ ni baro ye min ye CEDEAO ye. K'a fɔ CEDEAO an y'a jateminɛ, CEDEAO ale ma communiqué an ka libération kan. Kida ni ne ale libéré la CEDEAO mɔgɔw ma fɛn fɔ. An y'a ye k'a fɔ u ma fɛn fɔ, wa u ma kuma. Da bɛna don nin na i bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye nin kan. Sabula kida libération an y'a ye k'a fɔ min ye jamana wɛrɛw ye, Niger olu ka folikan di, ka taa se hali Putin ma ale ye folikan di, wa parti politique caman bɛ yen minnu fana y'u ka nisɔndiya jira kɔnɔna la. Ni ala sɔnna an b'a dɔn. E maa ye maa ye hakili juru jaralenba ye, i bɛ analyse baw o kɛ waati caman. Ɔ an bɛ se k'a fɔ parti politique ka déclaration ba minnu n'u y'a kɛ ka kɛɲɛ ni kidali libérée ye, yala nin déclaration in e b'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ? Ka d'a kan an bɛɛ lajɛlen b'a fɔ k'a fɔ parti politique ti jamana fɛ, wa jamana tiɲɛna san 30 kɔ olu nɔ b'a bɛɛ lajɛlen na. Nka an y'a ye k'a fɔ
kidal librairie ajara parti politique chamaye wa ma chama ni so jara ma chamaye déclaration ke ka fokou bi armé fo ni watina nga olu ka mo ko fe o kan ni so jow ko fe ani alna ma so ka fokou nungo o koko srasu tese kunungo ananu ya fo ka fokou srasu ko fama ka di samara batima nga bi samara batibi mi nga ni so jara noue ka la ka fulike wala sa ami parti politique chama fo ni ngrenga do ko bi a contrôle la na do ko ti a contrôle la oh nga ni bra yele ngo fe yala e famia c'est donc comment ba ya afrique amani sinike ka kene putin yere afrique niger afrique burkina afrique jamana wala afrique wa parti politique mo ngo lui afrique do mo ngo yala ibn blad ne blam ne même ko yala ma se ka fo be mena le wa ma se ka fo koni yi anga bol nyoko ma me ko fora na fara ko be ka sik ka fara ngo yala ma se ka parti politique ko mata ka dani mo ngo on la va se fomba il se ka mo so ka fo ni babu papa mbi ifu ye ni nyiningali fem feke ameni bebla fin damadon minen kono a folo ik datira muma yana ngasi kidal libere lima processus do de nana ni kidal libere li don amba damne ko processus nyefo igane akina imfene bayira analyse jumena kankan ko ke kasanga ka beni sidao alika kuma balia ani parti politique ka declaration o ani ni solution mi fina bambulo ka demeke ni kofe muni muni karanga ke akila ka kuma be talike ni fenda madoka men ala sonama ama andadu ala papa akaka na sigini baro keneka kien do kidal libere la me kidal ma libere kalofla amse ka kuma ja ka foko kalo fla dron anye bara beke o kuma jai me o ka kuma la surunya fene amse ka fo fene ko kidal libereli amake mardi don me adam le na depuis transition sigi don parce que n'antra ko mo wa kli la jinko la abad to beba don femun kera fein kononana kidal libereli a processus ici atile me fein damado de ka foka nyefo wala sa mo kwa o fomia abe chama ngono ko kidal libere la dron a libereli damne na kuma mi na dron atimin kera président de la transition aye adam nena ka kon onye panga fion bla o minen kono wa wala min kera kidal abe talike transition ere de barami boloda ola pour ki mo ka fomia processus di me kidal libere a processus folola ama fo femi ma ko la stratégie militaire géopolitique et géostratégique noyé sera sun mununye anga kele kunche noyi M10 RP na yuli ka joke ko Ibrahim Boubacar Keita ni aka regime kata o amununye o keleke nu yere nana o kele dafa o sera suye strategie do de sigi senka abe forma ko strategie militaire mais c'est une strategie militaire géostratégique et géopolitique o stratégie de konanana ibina e bara folo min kera namé mo akli djin depuis ibeka bora fangala sera souyere damayi nyokoni folo force de sécurité mo kun date kumaina we a be wele wele kanaka be dado ala mukumbala o mukuntala o we fem folo min ke we sera souka cheka ben ou de la garde nationale bala armée de l'air bala armée de terre bala gendarmerie bala police bala bay resoro akunonana ukele ku resoro kono ou de tonana da ku CNSP ou CNSP ou nyemwa taraka di asimima ou CNSP kele mfene bara sabade kumeka ke au CNSP killing allez des
concertation nationale organisée. Aux concertations nationales, on a un CNSPK, charte de transition, adopté, que la feuille de route adopté. Donc, voilà où on a une transition. Depuis un si tôt, à Barra d'Amnena. Ni nanaï, au feu de route Kelly, ou de Axi Folobafo, le renforcement de la sécurité de l'État sur l'ensemble du territoire. Pour nous, Axi Folo et Odi, faut des caquets. Ou de Konanana, accord d'Alijo Wala, ou de Konanana Femerebe. Au feu de route de Fenekumana Tuni, Flana, la bonne gouvernance. Savana, le système éducatif. Nanina, les réformes politiques, les réformes politiques de Durunaï, la signature du pacte social de Durunaï, c'était l'organisation des élections, mais maintenant, les réformes politiques et institutionnelles. Donc, il y a des gens. Maintenant, il y a des gens qui ont des stratégies qu'on a. Moi, la politique, je suis en train de présenter civilement. Ou le vice-président de l'OTAN. Mais au vice-président, il y a des forces armées et de sécurité. Malgré que le ministre de la Défense, malgré que le ministre de la Sécurité, mais c'était le premier, le vice-président qui s'occupait de la stratégie militaire géostratégique. Oui. Donc, il y a tout le monde qui a assimilé. Il y a tout le monde qui a été assimilé. Sera sous bien quand qu'il faut. Depuis les 9 premiers mois, là, il y a vice-président, ni banda qui est président, banda qui continuera à barafé, elle continuera à armer, à renforcer, elle continuera à armer Grenouana. Donc, il y a eu la mise en place et le renforcement de la chaîne de commandement entre les forces armées et de sécurité. Au de Konanana, banda où on allait Djanfanké et Mouktarouane, au recréer son bien tout nous est très cool là parce que là sur la chaîne de commandement mais militaire ou bien quand ils ont camp fort donc ils d'encarquer bandeau nous na pour qu'ils puissent dégager kabouy on est déterminé que au stratégie militaire des baraques car assimilé présent mais il y a l'air que présent malgré que j'occupera présent du Conseil national de transition c'est toujours cette stratégie militaire pour que l'organe de la transition a kana bo u bolo kono wala sa ka ta sira wara fe sira menti u tai non ode kona la bina ye yani chogal kana pendant les 9 premiers mois il y avait une cellule officielle de communication au cellule officielle de communication universitaire bala politique mo bala communication mo bala militaire yere bala ore konona nani kele chama wuli la fo M5 ko u jamfara fo anku me boka jabidi ngoma jamfami premier ministre abora M5 de tola ore konona na militaire chama kera gouverneur no fene manga kera ore fene konona na chaîne de commandement sira anku me tira ka terrorisme fra donc déjà pendant les 9 premiers mois il y avait un bilan militaire positif. Banda qui me fait quoi bilan militaire de la crève, qui tient indo, qui trouve qu'en orienté sera au refait. C'est la raison pour laquelle aux stratégies militaires, géopolitiques, géostratégiques, on définit qu'un choix bena ablé jokma. Au choix stratégique militaire, géopolitique, géostratégique, on définit que ibnaï les militaires ont le ministère de la défense. Le ministère de la Sécurité, le ministère de l'Administration territoriale, le ministère des Finances, des Mines et de l'Énergie, le ministère de l'Administration territoriale. Pour qu'il y ait une diplomatie. Pour qu'il y ait une stratégie politique militaire mon pays, avec ce cas de balachon. Donc, depuis nous watila, Barra d'Amnena. Depuis nous watila. Chaîne de commandement B. Et le chaîne de commandement, la chaîne de commandement à Touranola. Raison pour laquelle
ami fim woka famia ko set ce processus là fin chama de kera yani anga do ale rectification ko c'est une question d'histoire il faut qu'anga fo ore kona la munu me sente la krengre ne la nere ani motion de censure ke muka mutar wan ge mu pati kena alni malika dai atese donc au kunya soro anya fo deja ngo m5 matrai ils ont quand bandao a été bandao bowling quoi ils ont jugé nécessaire de rencontrer encore le m5 pour une deuxième fois pour que malion a fait non seulement Mouktar Wan était le choix du M5 à travers l'autorité morale. Choguel aussi a été choisi par les militaires, toujours dans le cadre de la complémentarité. Donc c'était important de donner cette précision. A Wakira Nankumbora Nankumana Dore au conformant nous n'est très tué, qui est M5 Djanfa, ou M5 Akinala. A watlan aya fue na ngo jafa make memo ma nyokon fami adi eke angba don fene fem besina est ce autorité ne amsengere fana ha autorité ne mamudi est ce que amsengere fana bo ntefe ka kuma oka mais continue comme fem nun kera beba do ke comme nun kera yera kwa parce ala na no chien fene sigama ore ke ma wati nan kumbora ka kuma watro malen shi dalente fue la mais kuma o kuma ne bu me bo me kuma ni nyugo na chama mais on kera mo e munu dara ko ina munu be ko ngono de pas d'amne et je vous informe que moi je faisais partie de la cellule de communication officieuse am te bo kene kan mais amba do mumbe amba do kumbe ke donc no bora e processus kono nana barak men kera la diplomatie offensive. Ou diplomatie offensive, géostratégique et géopolitique, dont le leader principal, c'est Hachimé Goïta. Il ne faut pas aller chercher loin. La diplomatie a été portée par Hachimé. Mais pour que la diplomatie Fénéka de Bala, Hachimé a porté son choix sur Ablaye Diop et sur Choguel Kokala Maïga. C'est ça la vérité. La diplomatie du Mali, offensive, dont le responsable est Hachimé Goïta, a porté le Premier ministre, ni le ministre des Affaires étrangères. Bébaro Djamana diplomatie est présente. Sinon, Ablaye Diop a eu autant de Ibeka. Le Premier ministre a eu autant de Ibeka. Mais Djamana a été déterminé ni Odi. Et le choix de Choguel, ça a été un très bon choix. Et nous avons tous apprécié. Au Djara Mouroyo, au Kera, au Madja Mouroyo, on a adhéré à ça. Personnellement, même moi, j'ai adhéré à ça. Malgré que Kuma Befora, Ko Bekera, pour que Choguel Kanata, ou Kuntara Fo Al Asimiana, Kakana So Choguel là, François Oga Fembe Fo. Il a dit clairement non, le choix, c'est le choix, et il assume son choix. Donc l'ensemble des militaires ont opté pour Choguel. Sans pression, ni rien, malgré qu'il y a un mandi. Toi oui, malgré qu'il y a un mandi, mon chama, mais comme nous, on a toi ou ça au kama. On a un malin tari kama. On a un gâtim ne fene, c'était mérité. Parce qu'il était fait me faux Choguel. Durant tout ce temps, il était là à défendre l'idéologie du M5, la stratégie du M5. Il a mené le combat jusqu'à un niveau. Même à l'Aniatro Watila, illégitime, qu'on est illégal, mais il a mené le combat à bon terme. Il méritait. Parmi tous les hommes du M5 Choguel méritait. Moi, c'est la fois qu'il a mérité. Parce qu'il a arrêté Tabalea pour qu'il n'y ait pas de trahison. Mais à Tali, à Kerasové, tous les Maliens ont adhéré là, tranchant à Kinato là. Parce qu'il n'y a pas de ni ma chien fort, chien rebita et contrôle. Et tout le monde a apprécié le fait que Choguel Kera Premier ministre. Et il a joué son rôle qui lui a été attribué.
jusqu'à preuve du contraire. Donc, au corona là, on a la diplomatie activée. Quel était le rôle de cette diplomatie? Il fallait que la diplomatie soit faite avec Barauni, Baramounouke. Donc, c'est le résultat de la diplomatie. Au résultat de la diplomatie, on est nana par les principes diplomatiques dictés par la transition. C'est un cas d'école. Diop a été un cas d'école. Et le discours de Choguel Kokala Maïga a été aussi historique. Très bien fait. Ce discours qu'il a tenu, le président Hakimi a assumé derrière lui, tout le gouvernement et Ablaye Diop aussi a continué dans la même lancée avec des frappes. Pour la diplomatie, au Djabi Nananimoué, le renvoi de l'ambassadeur de la CEDEAO au Ghana. Quand la France a ambassadeur Ghana, on reste fait France, il dit que nous avons dit que nous avons dit ambassadeur Ghana, nous avons dit que nous au coffret, fermeture des médias mensonges, RFI, France 24. Au coffret, la dénonciation de l'accord de défense entre le Mali et la France. Au coffret, l'installation du partenariat stratégique du Mali et de la Russie. Au coffret, le retrait du G5 Sahel, Ambora G5 Sahel. Là. Au coffret, la dénonciation du pen holdership de la France. Francis de Anga Kalmunkala Tigé, au niveau des Nations Unies, a nous fait dénoncer. Au coffret, le renvoi de la MINUSMA à travers la résolution 2690. Au coffret, la création des États du Sahel. Donc, au coffret, la participation du Mali aux différents débats diplomatiques à tous les niveaux. Donc, Diop Kara débat Bella. Maintenant, ni une diplomatie en Djatimine. Au diplomatie de Kera Sobeye, quand Mali ni Irishika partenariat Gerenyona, quand il y a équipement Kama Noya, Mali n'y a. Donc, la diplomatie offensive à Nyana Ama. C'est bon qu'il y ait un rappel nous. Pour que je ne vous commentaire erroné. Donc, on reconnaît dans le processus là, il y a l'engagement patriotique, héroïque des forces armées et de sécurité sur les théâtres d'opération. Srasou, on nous a dit que nous avons un parce que nous sommes là. On reconnaît dans le président de la Jetinègue, ils ont mis sur place ce qu'on appelle la stratégie de la défense opérationnelle du territoire. Au début, répartition en zone de défense, en secteur de défense, en opérateur kélétique, en opérateur télécoura, en opération, ainsi de suite. Donc, c'est pour cela qu'on a la question du président Djetmine qui a une réforme militaire. Une réforme militaire qui a d'offre à Srasouka Saraka. Formation qui a été faite, une formation qui a Allez, c'est la formation que nous avons dit, la formation que nous avons dit. Et en même temps, il y a eu la digitalisation de l'armée, quand l'armée est informatisée. Et en même temps, il y a eu la création de l'école de guerre, une école de guerre pour harmoniser les systèmes de guerre. En même temps, il y a eu ce qu'on appelle l'organisation sur le terrain. Maintenant, adossée à une organisation administrative, parce que Srasou des gouverneurs ou fenêtres. Donc les gouverneurs jouaient la continuité du système de défense. Donc on est là, mon gouverneur ou nana, comment qu'on connaît l'administrateur civil de Kana. Mais à un certain moment, c'est que nous devons partager l'administrateur civil, surtout dans les zones, il y a une guerre, surtout qu'elle est Kana, il y a une guerre qui est sécurisée et restée marfatila. Donc on a opté pour ça, pour qu'on ait un barato, sinsi, pour se mettre. On est là, il y a sera sous bien confiance. Il sera fera l'oukan. Prime, aïe à d'offre à l'oukan. Équipement, on en a. Fin ben en a. Vecteur aérien, on fait un chamankera. Ainsi de suite, militaire ou blara dans la confiance. Donc, on a pu maintenir la chaîne de commandement, doter l'armée de l'équipement, informatiser l'armée.
et en même temps créer des zones de défense et de sécurité avec des théâtres de défense opérationnelle pour que à tous les niveaux armée BC Ghana ou les finances infirmiers ou joliers quand on et c'est de là que à chaque fois que l'armée est déplacée quand l'armée vient dans une localité nous nana nous est quelle qu'on fait bien en froid quelle qu'elle s'est fait bien en dominier dominer qu'on fait au forage et c'est ainsi que même les forages dirigeants du président sont rentrés dans ce cadre-là pour que Djiko Fene, Gela Mie sera sous son, au Kana Sibilou Fene. C'est un processus. Donc, nous avons dit que Ananina, ça, ça a été la guerre de communication ou guerre informationnelle dans l'informel. Ou guerre informationnelle dans l'informel. A été porté par les activistes maliens, par les panafricains, par vous, Aure. Au courant de la média, au Galo Mounoutier, Aure Koumbé. Et en même temps, il y a eu des organisations politiques de soutien, dont le Korema, qui sommes nous, et d'autres organisations, Tchamamba de Kerera, Bé commencera, à information dit, Bé commencera, à Kibara Nouman dit. Il y a eu même les blogueurs patriotes, il y a eu aussi les journalistes patriotes, les d'autres acteurs politiques de la transition au niveau du CNT et au niveau du gouvernement. Donc tout le monde a fait porter cette communication. Et cette communication, on a un processus de réveil et de l'éveil des consciences des Maliens pour qu'il y ait une mentalité décolonisée. Maintenant, au système de communication, au fin de soutenir par les Maliens de la diaspora. Les Maliens de la diaspora, ou Douala, ou Yerbakoun Douala, c'est eux qui prenaient en charge ces acteurs de la communication à 80%. Malgré que les acteurs ou Benike, le gouvernement qui a dit Mouhama, mais Beka face au canon Yato, au Barakera. Donc, aux guerres informationnelles, au RDI, Trasouka Barato Dafa. Parce que Corolle, Galon ne Koumbe Tke. Antete Tara Galon Tke, Kelemina. Mali tora djanfan kelemuna galon chama fene tira li beka katana maintenant avec la transition ni galon mitira munu mi jamana fe boka jamana demen ka kuma kien fo donc o kera guerre doye lu kera marfa ti doye munu ye jamana defan ko sebe c'est le lieu de les saluer maintenant o de ko fe dir pa fene a fene joro bakena no ye servi de communication des armées ay fin chama fo ay message chama di ay continue chamandi le web tv ou lutefo radio ou lutefo télé ou lutefo ben jorokke donc malika guerre c'est un cas d'école parce qu'il n'a même processus de libération fo femu nun kera ko na ma fo abe to filela donc ola muna tula la résistance et la résilience du peuple malien ki manadion kuna funine jamanadion bolé ko kalama o jamanadenw fana y'u disida diɲɛmɔgɔ kɔ la Mali firili la ka transition tɛmɛ o jamanadenw de ye embargo ku o jamanadenw de kɛra ka sɔn ko a an ka da ninnu na fɔlɔ ils ont accordé le bénéfice du doute kuma min bɛ ka fɔ k'a jateminɛ ko min bɛ ka fɔ k'a jateminɛ parce que an bɛɛ tun bɛ ka kuma an ka kuma donna jamanadenw kunkolo la jamanadenw dusu nana kɛ transition fɛ jamanadenw ko ni nin de don n'an bɛ libéré an b'o kɛ o la moriw y'u seko kɛ Guinée ñamoko yu seko ke cardinal Zerbo abe foya mai watra seko la sana shérif Boué Aïdara allez re joro buyana kutbe les sages de Ségou les sages de Kita les sages de Banamba les sages de Kangaba les sages de Bouni les sages de Djitmou les sages de Sigasso be voilà be degela be tagé jamana ñamakalaw ana kodonaw be wulila ki itake donc ni o jatimine jamanadenw sɔnna kɔngɔ ma jamanadenw ye minɔgɔ mu ye jamanadenw dara fanga la jamanadenw sɔnna ko n'a bɛ kɛ min a ka ko ye u tugura fanga kɔ o de nana ni journée de souveraineté retrouvée donc ni o processus fana jatimine la gestion des questions financières économiques dans un contexte sécuritaire, diplomatique, politique, sanitaire. Warko fene joro nana bunya kotebe
parce que autant qu'on en a là, c'est d'ailleurs qu'à Wartier, Francia qu'à Demetre, Francia qu'à ONG ou blague à Demetre, mais gouvernement sera qui djija, Warimbambolo kan wasa dola, autant qu'elle est qu'on en a là, qu'elle a d'offre à Sarauka, autant qu'elle est qu'on en a là, qu'elle a essentiel sous son hobby, autant qu'elle est qu'on en a là, qu'à population demain, autant qu'elle est qu'on en a là, qu'à plus de 100 milliards qu'on dit, c'est comme Baratoma, téléphoniquement. Donc, au gestion on n'a pas coupé malgré que un ouais jour d'atout donc ni bourrin et bien pour ces sujets toi n'y en a ni mouillé c'est les réformes politiques et administratives ou bien au bain n'y balao réforme politique de maigre l'organisation des assises nationales des refondations et ça il faut remercier Choguel Kokala Maïga mais il faut aussi remercier le président parce que parti politique qui a mantara Kochogel Kakodo, mais président Kochogel Kote, allez retaro. Do you bangata, kutita, utalinu tabalama, achizi balkado gola. Mais Korema fenefouya, parce que achizi national là, Korema est baradamne depuis village ou kono, kanafo kominu kono, kadoutrou laje, kaklaka gafé glan, ane association kemeni biorodi participera achizi national là. Depuis Douma, faut s'en faire. Au niveau national, on était plus de 160 représentants. Et présenté dans toutes les associations et les partis politiques. Donc, assis-nous, au futur, à côté de moi, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Assis-nous, je suis là. 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 Douanière suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis 72 milliards au lieu de sur on a mal délégué. Et ayant permetté en 15 milliards perdus, douane 100% nous bien récupéré. Réforme du code minier, si c'est un malika sans nous, au cas un malita. Parce que les réformes nous faisons pas demander des onda qui maintenant marabraoula pour que quoi son cadeau d'adopter. Nous faisons pour l'institutionnalisation des autorités traditionnelles aux coutumières. Le 11 novembre a été dédié comme journée des légitimités coutumières et traditionnelles. Nous avons fait l'élaboration et l'adoption de la loi électorale. Nous avons permis qu'il y ait un référendum. Ni la création de l'EJ. Au Béato, d'un ado d'Ara, Fangaï Kamro adhéré la COLA. Jusqu'à la réforme de la justice. Nous avons travaillé avec Dankarke Mouachamana. Mouachamana Meneli Mou Datraïchoina. Et ensuite, la nouvelle constitution pour l'avènement de la 4e République. Nous avons un account de Bala. Nous avons un accord d'Alger Choudo. C'est la nouvelle constitution où il y a un accord d'Alger Choudo. Où il y a un militaire blanc, une option pour renforcer Akono pour qu'il y ait un mobile. Mais nous avons fait dans le processus de libération de Kidal, il y a les décisions politiques et administratives. Décisions politiques et administratives qui sont là. La réhabilitation des sociétés d'État. Comment taxi d'Aleli à Astro, Marako Djouya et comment taxi fermé. Comment taxi d'Aleli d'offre à transition Fangaka. IMPP d'Aleli d'offre à transition Fangaka. Chimene Fer Lanceli d'offre à transition Fangaka. La création de la SOREM. Au final, Dana Dodi, Gamana Dioma. Yatela et Abola. La création de Somafil, Obola. Le contenu local lié à l'adoption du code minier. Au final, Ola. La création de l'OMAP. Au final, pour qu'il y ait un carburant à faire. Et le changement du statut de l'OPAM. Au final, donc, l'engagement politique au niveau de la CMDT, au Garasovia et Mali, qui est le premier producteur de coton. Donc, nous sommes en train de faire ça. 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 Nous sommes ou la confédération sigli kononana ou la binaye gouvernement ka soutien bouyana fene chima izinu ngla jolima mime jema ani mime jago ani izine de fabrication des conteneurs électriques ou fene kera parce que nous nous bato jemana de mou jigisiki yoro de fanga tabulula non ni konana ni ni jatimne ani ni bede farale nyokonka ou de nanani kidali mineni. Il faut qu'on ait ces résolutions 26-90. Donc, on est connu là, qui a libéré les moufles, qui a été libéré, qui a été libéré, qui a été libéré, qui a été français,
amba ke chukudi na ye minitima ge amba ke chukudi na ye ninketa amba ke chukudi donc o somu de faranyonga kana arme dama arme ni anga partenye nusoro kamogo ge sepou si la pape mena moun fiena kokera kidal ame delega fana moun kidal kele malika kele c'était le Mali la guerre entre le Mali et la France Francia yere gena fa nana de meme c'est la France qui était qui Francia era des terroristes wallahi mena kuma do foina domina armée malienne be do kidal mardi le 14 pourquoi kono wolon vla dona to ou ka mercenaire la ou bolla kata algérica francica servi de renseignement DGSE ou tara algérica servi de renseignement pour Delhi ku ka to ku ka mercenaire be tema kotno ku be lebu wallahi ou bolla ça a été fait sans même l'autorisation des autorités de l'armée algérienne. La DGC d'Algérie a accepté que tout le monde soit algérien. Sinon, pourquoi on a voulu nous parler de là? Parce que au mercenaire, nous, d'Alemé, on a que le ministre des armées, le Corny, allait boire à Katafo Sénala. Dans une semaine ou dans les semaines à venir, Mali est dit là. Parce que nous ne sommes d'Alemé qui d'Ali. Nous ne sommes pas mercenaires de Kumbé. On a fait un général. Frédéric Blanchon, au final, les terroristes ils risquent de remporter la victoire au Sahel. Parce qu'ils nous venaient de Koundagalembe. Mais quand on a une autorité à un certain niveau, tout le monde a fait un peu de temps. On a fait un peu de temps. De la sincérité des Algériens dans cette affaire-là. Mais où tu m'as rien fait? Allez, quand c'est un acte, quel est mon Algérie? À quel bébé qui a beau ennemi? Mais ce qui est sûr, Algérie va refaire pas donc. Quel est mon bessina? N'allez tout quand nous blâmer. Abaye les mains à l'écran. Parce que l'objectif c'était pas seulement le Mali, mais c'était aussi de déstabiliser l'Algérie. Donc à quel bébé irait défend? Algérie quand demain au thé à la camaille avant demain à errer des camas parce qu'on est dans un monde géopolitique et c'est la raison pour laquelle il y a question de poser par rapport à la CEDEAO d'abord parti mari parti politique almonu kunte transition fait belle déclaration que fonctionna qui dans le libéralisme coupe transition faux ni barala comme armée faux ni barala donc ça veut dire que la majorité des partis politiques la majorité des politiques ont adhéré à la libération de Kidal mais la CEDEAO allez mikan kan de mekelela ana sur war table allez mikan ni so janini allez CEDEAO a préféré qui a rallié Francica côté là parce que Francica n'a en fond ni na jena ka baranyana. Au contraire, Franciba Yuguba Regata Galon Tatakada Fulika Kienindo Ankou. La CEDEAO a trahi ses propres objectifs de fondation d'entraide entre le pays qui glon Francila ou ka décision. Donc, le fait que CEDEAO m'a malé et remercié, CEDEAO m'a en faux, ça doit être l'occasion pour les autorités maliennes se fondant sur l'adhésion populaire à la libération de Kidal, de se retirer complètement du protocole additionnel de la CEDEAO et de la CEDEAO. Kabwala peu. Ça, c'est des arguments. Il y a une déstabilisation. Il y a une sanction tant qu'à ma poignée, ça, qu'il y a une malheur, ça, qu'il y a en même temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un terrorisme qui est. Au terrorisme qui est au Kunchero, au Kerani Kidal et Soroko, dit un Rema. Et Maseka en Fola, et n'a même un Jack et Jack en Obli. Ni Jack Kouye, quand on sait qu'à Bonola, ni Jack Kouye, pour Jamanaka Dunonga, mais Eka Jack Kono, Anga Dou Chidi, ou de Eka Jack, Anga Dou Jodon. Alors, on a pour Timon, on n'y veut pas qu'il y ait un Beko Kanyana, et Maseka Fokanyana, il y a un Mouni ou Jack Kone. Rester dans la CEDEAO, c'est de l'incohérence. Si on veut, on prend une décision politique.
Ni décision politique ben nafa ya transition. C'est ça la décision politique, c'est retirer de la CEDEAO. Deuxièmement, au Sénat qui est connoté, on doit se retirer de l'union monétaire de la CEDEAO. Parce que l'union monétaire de France CFA des glands. Au France CFA, France, même au glands, on a dit terrorisme en contrôle. On doit quitter automatiquement le franc CFA. Troisièmement, on doit quitter la francophonie. Donc, maintenant, à la lumière de ça, il faut qu'on ait cohérent la création du franc CFA, le retrait définitif de la CEDEAO, parce qu'un AES est créé comment, et le retrait de l'union monétaire de la CEDEAO. On a droit de beka boire la partie en afafouetan. Donc, autant faire. Maintenant, en ce qui concerne les politiques, j'ai vu la déclaration de mon frère, camarade président Amadou Koïta. Il y a une déclaration appréciée. C'est une déclaration pleine de courage politique. Oui, tiens. A plein de courage politique, il a eu le courage politique de saluer Bara Munkera. Mais comment il connaît? Ni politique, ni politique, ni politique. Parce que nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. A kunyana ka jarai a ko shugale rabe decision chamanta ana kunta akina kelina me abafo me kuma do fo kuma ina kuma mi kuma turmani nambo kuma turmani fe ne jense ko bo kuma na ni go kuma na ko a decision politique fe ne nyana transition ikono c'est comme tu dissocie la politique de la gestion de la transition ko kuma politique kuma o tike l'intérêt. Ni mirina nunu c'est comme ni politique bara fene kunte sera suka bara en kuntina tanye alors que bara en bere siranye fe ka politique ke kana politique sirlente molao politique sirleme itabolo de la c'est une manière comme si on est en train de dire que les hommes politiques ne valent rien mais l'apport politique là au fene nyana ni koina c'est faux. Tout ce qui est politique était bien planifié dans tout ce qu'on est en train de faire. Donc, il n'y a pas une victoire d'un apport politique. Non, l'apport politique, l'apport diplomatique, l'apport militaire, tout était dans le seul plan qu'on appelle la stratégie militaire, géopolitique et géostratégique. C'est ça la vérité. C'est pour faire croire aux Maliens, ah bon, peut-être que la politique est pour la politique. Non. C'est vrai dans l'ensemble, nous hommes politiques dans la transition, avec les militaires, avec les universitaires, avec d'autres, dans l'ensemble, on a produit une stratégie militaire, géostratégique, géopolitique, ensemble. Mais il n'y a pas à attribuer une portion politique à un élément politique dedans. Moi, je suis un politique dedans. Je suis président des partis politiques. Je suis au CNT en tant que politique, au nom des groupements politiques et au nom des partis politiques. Mais nous avons conçu ensemble de mettre en place la stratégie militaire adossée à une stratégie géopolitique et géostratégique qui ne fait pas référence à une rentrée politique ou à une capacité politique. C'est un ensemble indissociable. C'est dans cet ensemble-là qu'il y a eu la guerre de communication informelle. C'est dans cet ensemble-là qu'il y a eu la pédagogie du réveil, de l'éveil des consciences pour la décolonisation de la mentalité du peuple malien. C'est dans cet ensemble-là que les religieux ont adhéré à cette politique-là. Donc c'est une politique d'ensemble qu'on appelle la stratégie militaire adossé à la géopolitique et à la géo.
stratégie. C'est bien planifié depuis longtemps. Maintenant, cela ne veut pas dire que Chogel a joué le rôle très important. Mais ce n'était pas un rôle politique. C'était un rôle lié à sa propre personne, à sa capacité personnelle dans le tout. C'est pour cela quand on a évaluation là, ni dogo le bilan de Chogel pour une notation chamani. Je dis c'est faux. Tout ce qu'on a cherché pendant 30 ans, l'honneur et la dignité du Mali, Chogel l'a dit. Il l'a fait en tant que premier ministre. Et ce qu'il a fait, la malien pour Mogobo Ode Lafon. Il a su appliquer à la lettre tout ce que Assimi dit. C'est ça aussi. Mais sa pédagogie explicative est aussi une compétence personnelle de la maîtrise du sujet. Il sait qu'on fait un boyou. Mais c'est pour qu'il ne faut pas noyer le poisson dans l'eau pour faire savoir que il y a eu un côté politique. Non, ce n'est pas vrai. On était dans un ensemble. Parce que le côté politique, c'est que c'est un voilà. Le Parlement joue un rôle politique, carrément et éminemment politique, doté d'organes, des prérogatives des députés, avec aussi un rôle d'orientation, de suivi et évaluation de la feuille de route du gouvernement, et aussi un organe doté, à travers l'avis de la Cour de justice de la CEDEAO, d'un organe de réforme administrative et politique. Donc c'est pour ça que quand on parle, tout ça, nous hommes politiques, on veut toujours faire croire aux gens que ça la politique fouettée. C'est vrai, mais ça ce n'est pas la politique liée à la politique démocratique qu'on a connue dans les 30 ans. Et c'est pour cela, je profite, il y a une fin à fouiller. La démocratie n'a rien à rapporter. C'est pas fait. Écoutez, la démocratie que pendant 30 ans, elle est soumise à son bina. Keni so bina o nyabe don tukodi so bina a yiri karla on bina so nyamina a bina peu ameka so courage e ka so bine commentaire meme koka quel commentaire sur un bilan de alpha, quel commentaire sur les autres bilans à partir du moment que barao baradam nena dans les 30 ans à la fin so banadro so bina so tamulu et le commentaire que fait maintenant. Il ne faut pas qu'on nous dise que moi, on vient d'amener, on vient d'amener. D'amener l'ITEO. Qui m'a dit qu'il y a d'amener qu'à l'abandé. On a fait un peu pendant les 30 dernières années. Fin de mener, qu'il y a qu'à l'abandé. Fin de mener, qu'il y a qu'à l'abandé. Qu'il y a qu'à l'abandé. Moi, j'étais là. Comme Kouita l'a dit, nous étions tous là. Moi aussi, je suis acteur de la démocratie. À Bekeranien, là. J'étais le superviseur du candidat Tchaouli Mamadou Konaté en 2012. J'étais le président de la jeunesse de mon quartier. Je faisais partie du bureau des jeunes de la commune 2. À quel âge est-ce que voilà, maintenant, ni bien quoi fait. Amène la proposition des solutions de là. Proposition des solutions qui donne le quoi fait. Il faut conserver le pouvoir. Pour une durée de 100 ans, Kafanga Marafo sans Kémé. Les forces du changement, les forces politiques de la transition, qui fait son transition, Anis Rassou, il doit maintenant former ce qu'on appelle une alliance politique électorale pour conserver le pouvoir. Parce que Baramindo, il y a un peu de temps, mais est-ce qu'on change une équipe qui gagne? On ne change pas une équipe qui gagne. Donc, c'est une obligation. En politique, moi, je suis transitionnant. Je suis gouvernement. Je suis groupement. Je suis transitionnant. 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 Je Mali d'un courant modèle ou béglan à partir de maintenant. C'est pour cela que j'ai dit avec la nouvelle constitution, on a système éducatif, révolution française, il y a un manga fort qu'on oublie, France, il y a un manga fort.
Femme kanga fo de mars 91 kieni munukera ani unara ni femme la mauvaise compréhension de la démocratie coque histoire pour que les enfants comprennent que le nom de la démocratie et le nom des droits de l'homme ne construit pas un pays et montrer à la aux enfants comment le nom de la démocratie et le nom des droits de l'homme a détruit notre pays. Expliquer aux enfants comment le Mali a été appauvri par la France à travers l'ajustement structurel, soutenu par le FMI et la Banque mondiale, soutenu par les institutions, d'autres institutions de Bretton Woods. Mais la claque a été guerre qui tranche un barrage. Comment on est parvenu à ça? Fatou de Nimoya est sur le Tchouli. Ou le Kanga qui est histoire. Kofanga defu mwoku, kofo sixième mwoku, kofo lycée mwoku. On n'a pas besoin de comprendre autre chose. Maintenant, arrivé au niveau de l'université, ceux qui font les sciences politiques et autres, ils peuvent s'intéresser à la vie des autres nations, mais on ne doit apprendre à nos enfants que la réalité du Mali. Et puis quand on fait les deux, voilà. Deuxième solution, papa, il faut instaurer l'autorité de l'État. Manamana koko na kete jamana na blingo, akadoko jamana de bien. Ma chique na dankari ke jamana la ikakla ka yala kenema ki ni fo politique ko tola fui ko tola jamana kanga mbunya bele fe bekan ki re jamana kono sans autorité de l'état sans respect de notre état antita roshi on revient en arrière. On ne doit jamais permettre à qui que ce soit de se lever pour manquer de respect à l'état ka jamana dogoya sabana. Il faut revoir la charte des partis politiques rapidement ka adopter ka beni jamana tabule parti politique ka don ko jamana de recipice dima wa isira jamana ko kuma de kama ika démocratie ni ka fin on fait o manka to imi jamana janfa donc ka mesure d'ota ni fin on fait ke mi bi bo jamana mara konna la mi ma to imi jamana janfa ibi diso rapidement avec des mesures claires mais al parti créli ka gela do ala or association créli ka gela ba do ala donc maintenant maintenant, nous avons fait une photo. Le parti politique a communiqué avec le Jamana Kanga Bo Sedaola. Nous avons le retrait immédiat du Mali. Il a fait le coup d'État. C'est les putschistes qui ont créé la CEDAW. Ou à texte de Boga Irana, même à Irakafo, que c'est écrit, que transition tise ka jamana. Un État, c'est un État. L'État n'est pas lié au nom de la transition. Président démocratiquement et l'imam Fentiou. On est protocole additionnel, il est beau au-delà. Et tout le monde peut se retirer du protocole additionnel. Ni belle falsification, c'est-à-dire ils ont transformé la CEDAW à une CEDAW de la France. Collé avec la jurido kanaka beni démocratie ni droit de l'homme. C'est faux, c'est pas généralité, c'est un fondé sur. On a créé l'AES, je n'en parle qu'à créer. Qui, Mali, c'est-à-dire, maintenant, mon fien, l'entrée d'un pays dans chaque organisation est fondée sur le respect du principe fondateur des Nations Unies, c'est-à-dire la souveraineté des peuples. C'est ce qui détermine tout, sous l'été mouna. Parce que toi, quand il y a tout, il y a un coach. Il y a une organisation, d'abord, tu es un pays souverain. Tu es un pays parce qu'il y a des jamanadi. Tu es un jamanadi où tu es un jamanadi. Et aujourd'hui, si on respecte l'intérêt supérieur des Maliens, on se retire du protocole additionnel de la CEDAW. Nous, voilà maintenant, il faut accélérer la mise en place de la Cour de justice de l'AIS. AIS, Cour de justice, c'est quoi? AIS, institution politique, c'est quoi? La création de l'union monétaire de l'AES en gagné chez au Fénéma, surtout Ameka, Bara, Chamanke au Fénéma qu'on a là. En dernier lieu, il faut faire face au développement social, adoptant une politique économique basée sur les richesses. C'est ça qu'il a le libéré là. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'il a le Mogobe Djila, ou Mogobe Kourana, ou Mogobe Projeo là, ou Mogobe École là, ou Mogobe Armée là. Il faut aller directement dans les développements économiques. Il faut lutter contre le sous-développement. Nous avons continué au fait.
projet d'état mon créera on va continuer au fait bara bega ke ergar kidal ka boni gine aka boni ganai aka boni jamana chama jamana minga armée beta du kuturu mine paki ne kila jadine kila le adama du do diu du minga bo gine du minga boni gambie du minga bo ali sénégalais ah maintenant au du armée beta o mine ka kila ka yoro to sécurisé est-ce que mo be ka imaginer ce qui a été fait parce qu'il y a une stratégie politique de l'armée tchou. Parce qu'avec la démocratie, on a confié l'armée aux orientations politiques. Donc tu ne peux pas faire adosser aux militaires l'échec militaire. C'est la politique. Ni ne vous l'amenez de valer comment il faut le clinique. Militaire du mec. Ah oui, militaire de voler. Militaire ou tamine fana. A quel militaire tu mets? Moussa était militaire. Après avoir créé l'UDPM, il est devenu un militaire politique. Moussa Bora Fangala a tout général et a démissionné. Mais Atiti n'était pas un militaire au pouvoir. Okumana obuga loi ce soir. On a dit pour qu'un militaire soit président de la République, il démissionne d'abord de sa tenue militaire. Atiti, quand il était président de la République, il ne portait pas le nom militaire. C'était Amadou Toumani Touré. C'est le candidat Amadou Toumani Touré qui a passé aux élections. Et il a géré le pouvoir avec les partis politiques. Dans l'inclusivité et dans le consensus, au consensus de l'inclusivité des Malichi, où il y a un atteint de la Kajanfa, un consensus de Abi, où il y a un Jamfa qui a atteint de Gengabofangala, qui a renvoyé atteint du pouvoir. C'est la même politique là. Atteint n'avait pas démissionné, on lui a obligé de démissionner. Et on a dit qu'il n'y a pas eu de coup d'État en 2012. Contrairement, ce qui a été fait, on dit que c'est la mutinerie qui a conduit à la démission du président de la République. On l'a obligé à démissionner. Il m'a fait un discours au maçon. C'est un complot du parti politique là. Et à la suite, Mounekera, c'était le maintien de la France. Maintenant donc, on ne peut pas me dire que Atiti a géré le pays en tant que militaire. Pour les 14 mois de la transition, oui. C'est un militaire qui a géré les 14 mois de la transition. Mais les 10 ans de ATT, il l'a fait en tant que civil, parce qu'on lui aurait autorisé. Ibeka a géré en tant que civil. Alpha a géré en tant que civil. Aya n'a même pas géré. C'était une période où il y a été qu'il y a après, Djonguna a géré. Maintenant, Assimi vient de gérer seulement en 2 ans. Bandao, c'était à la retraite, ce n'est plus un militaire. Donc comment se fait-il qu'il vient nous bourrer notre esprit à militaire Mounga Fangala? Mais au-delà, pendant la démocratie, on a dit que c'est le président de la République qui détermine la politique de l'armée et l'orientation de l'armée. Où sera son nom bien? Atimi étant au pouvoir aujourd'hui, sera sous teka Atiminka ordre accepté parce qu'il est colonel. Mais son massif, je comprends bien. Né Mouka Fangala, tout fait trop bien. C'est-à-dire que c'est vrai, pour qu'il y ait un président. Dimensionné même là sur les militaires, voilà. Mais vous faites un foyer, c'est les mêmes militaires parce que avant que vous avez un sur le militaire, mais vous démissionnez là quand la fin à la carbone militaire là quand la fin à la mais toujours militaire du coup, papa, on était formaté, on était tiens ça. Ils ont refusé qu'on gère le pouvoir de façon militaire. C'est eux-mêmes qui ont accepté la démocratie. C'est eux-mêmes qui ont accepté que les partis concourent à l'exercice du pouvoir. Tu ne peux pas nous dire autre chose. On est à poste occupé. C'est le poste politique. Aujourd'hui, Sadio Camara occupe un poste politique. Atimi occupe un poste politique. Atimi est fini, Blaka Yele. Il ne peut pas dire que c'est un militaire qui gère. Parce qu'on est qu'un bon militaire à la fois. La loi exige à Atimi de quitter la tenue militaire pour pouvoir être président de la République. Tant qu'il est dans la tenue, à se présenter. Mais ce que tu es en train de dire, ne veux plus jamais comme non. Aujourd'hui, si Assimi quitte la tenue, n'a pas attaqué Mali président, il va gérer le pouvoir en tant qu'Assimi.
Mais ancien moi, enfant, m'a reconnu ancien militaire. Mais il va toujours gérer avec son esprit. Et je m'en fais un chômage. Aujourd'hui, Asimite a fait un maragot parce qu'il est militaire. Non, non, non. Quel que j'habite à retraite là. Retraite bien. Et vraiment, il y a un adron. Moi, je vais faire un maragot pour le lundi. On te dit tout simplement que le système qu'on a opté là, c'est un mauvais système. Si c'était le cas, on a attaqué Toi, à qui on a fait là en tant que général. Actuellement, on peut dire qu'il est militaire. Mais même au là, à titre de bilan, il y a un soi-disant démocratie. Il y a un soi-disant Alpha Taï, un soi-disant Ibega Taï. Il y a un soi-disant. Et Moussa là. Non, à titre de bilan, il y a un Moussa là. C'est impossible. Moussa bat à titre de loin. Je vais galonner tes gens. Il y a un CITB Mina, c'est un projet de Moussa. Il y a un pont, un deuxième pont, c'est un projet de Moussa. Mais pourtant, nous avons un Moussa de Jamana. Selenge, c'est un projet de Moussa. Non, mais nous avons un Moussa de Jamana, nous avons un Jamana, nous avons un Chikadama, un Galontier. Nous avons un TB Galontier là où nous sommes. Quand on était au lycée, ils nous ont fait croire qu'on va avoir 200% des bourses d'études, on va augmenter le salaire de vos parents à 200%, on va lutter contre le vol. C'est eux qui ont été les grands voleurs. C'était qui a... C'est vrai, c'est un militaire, mais on peut même dire que en fin de compte, Moussa a même regretté Mouroka départ de là. Ça, c'est très important. Maintenant, l'armée n'a jamais été affaiblie au temps de Moussa. Maintenant, où est Moussa là? L'ajustement structurel a commencé à Moussa, au Kera, en 1984, imposé par la France et ses acolytes, et à 44 pays de l'Afrique. Maintenant, quand ils ont vu qu'au ajustement structurel, premier plan maintenant, ils ont mobilisé des fonds. Ajustement structurel, deuxième plan. Ajustement structurel, deuxième plan. Au Warnato, où Moussa Genga Bofangala. Ils ont donné cet argent aux démocrates. Et ce sont ces démocrates qui ont tout privatisé. La CMDT. Ikoma. C'est les partis politiques ou bien c'est? C'est les partis politiques. Okay. C'est le mouvement démocratique. Ceux qui ont eu le pouvoir. Parti Beteo. Parti Dobe Olu Mokayo. Mais Mounouye Fangamara. Olu Dianta Kandi Franchima Kanga Société Betchi. Quand tu m'en as privatisé, c'était le libéralisme. Donc vous voulez dire que ce n'est pas Moussa, mais c'est les partis. Non, mais ce n'est pas que vous avez fait Moussa. Au temps de Moussa, c'est le Banyama Fiena. Au temps de Moussa, il ne sait pas que je suis parti. Cela ne veut pas dire que tout était bon, non. Mais face au Kanou Koumbe, Malien Koumbe, Alendo, Fendo Kera, vous te comparez. Au temps de Moussa, Amek a Kodoke, Atishila Koukeo. Au temps de Moussa, nous, on était des enfants. On savait que Atechila Kakodoke. Au temps de Moussa, on était avec les enfants des ministres à l'école. Vous êtes d'accord? Des enfants des directeurs à l'école. Non, ce n'est, moi je ne me réfère plus sur tout ça là. Maintenant, on est à un niveau. Moro Tate maintenant, c'est une leçon. Moussa Tate maintenant, c'est une leçon. On a fait 30 ans de démocratie de façade, c'est une leçon. Tirons maintenant l'ensemble de ces leçons, voir ce qui est bon pour le Mali. En attendant, fait. Le fait de dire que nous sommes en train maintenant, on est dans la 4ème République. Qu'on applique la 4ème République de façon raisonnable. Qu'on essaye de dire que fait mon kera, mon kumbala, mon djoubala, à bema, mon pekini, mi frati bilana, il veut bega mon langoule, katro, bete mon langoule. Mané managetu, mon mando kumbe, Moussa Katana, djouman kumbe. Le manfene Koumbe, démocratique Konanana, Djougman Koumbe, mais ceux qui ont eu la chance de gérer, c'est eux qui ont pillé le pays, c'est eux qui ont détruit le pays. Honorable, merci beaucoup, Agnon Rifo, toujours au soleil gâteau. Info 77 là, c'est 4000 Cap Malpris, et Moussa Boukou 24, Malikoua TV, et nous, Bédéline Bégane, Agnon Rifo, mon bita, Tika Basini, en navigation, Kadaka, révélation, Tchama, de Kouma Konala, en héros, il y a 40 Tchama sur le bita, sur toute question de Moussa. Vraiment, on a beaucoup appris aujourd'hui. Donc, à mettre maintenant Guillaume Soulouré. Guillaume Soulouré, Watina, surtout Bekacha. Quand vous avez dit que vous avez fait un code varié, 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 vous avez fait un code varié. Guillaume Soulouré, surtout Bekacha. Ma chambre, l'été de la tire à ma association de l'offre, vous ne me carrez pas. Ma chambre, est-ce que Guillaume Soulouré va sortir de la salle, mais quand vous avez fait un code varié, vous avez fait un code varié. On ne l'a pas passé pour moi. Il est analysé.
Yala, il est quoi là? Mais quand t'as fait, quand vous posez cette question. Non bon, une analyse te dorée, la Côte d'Ivoire mérite mieux que Alassane Dramane Ouattara. C'est ça la vérité. La Alassane Dramane Ouattara, c'est une déception pour la Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? Une grande déception pour l'Afrique. Une déception pour tout le monde. C'est-à-dire à Ebede Djiglatié. En comptant donc, quand ni Tchembe n'a quand même ni Ladoua, quand même ni ni quand même ni Afrique. Fin fait baisser qu'à Tchèque, Alassane Dramane Gafanga bien, à Bejoala. Maintenant, allez des troisième mandat, ok. Allez des coups d'état constitutionnels, ok. Quand la guerre est coup d'état, quel est le bagage? En bas, nous n'aurons pas de coups d'état. Alors qu'on n'a à quel mangagne, j'ai le cas bon Côte d'Ivoire. Alors qu'on n'a à quel mangagne, quand Ivoirien, il y a le cas de Nyoma. Mais ne me mime pas au peuple ivoirien. C'est de se donner la main. Fanga! Ni tage fanga demeli. Jamana contrôle là. Fanga n'était jamana ka RFA. C'est pas bon. Aujourd'hui, Alassane est devenu dangereux pour le Mali, dangereux pour la sous-région. La preuve est que ni Bekera a Mali félicité. Avec un kinam ou guerre balé malicé. Alors que Alebe Jonya Bara de là, avec un Macron et Kabara qui est d'inflant. Ou bien manipulé tout mon kadaï. Donc Guillaume Soro, il est de notre génération. On lui souhaite plein courage. On va faire que quoi de voir baisser Gabo, fanga gueule, fanga qu'on a tout. On va quitter. Mais en allant ni te, mangakake, cola. Maintenant, à quoi fanga venir sera dans la cablati. Et je profite aussi car Laurent Gbagbo fou, parce qu'il a fait communiquer que, quand Mali félicite à ma victoire là, le parti de Laurent Gbagbo, le et aussi Guillaume Soro. Donc maintenant, mon fils n'a pas peur. Il y a un changement géopolitique. Ni tu vois numéro une attaque à ah non il y a un changement maintenant mais fina c'est d'abord la double PO AIS de venir continuer la c'est d'abord va disparaître définitivement parce que raison faut être là à part un instrument de manipulation de la France faut être donc nous on venait en boulot au Guillaume sur le corocoy car faut qu'on ait les camps mais faut qu'on ait un des Guillaume sur le vaut qu'on était chien on le supporte. On les soutient, on l'encourage. Mais je demande à tous les opposants de la Côte d'Ivoire. Fara fara li kin na fa nya wede. Ugu fara nyoko nga. Ugu ka akina o kekele. Wala sa u beseka Côte d'Ivoire sauver chumi. Ina fo Mali beka sauver en chumi. Donc voilà ce que je peux dire. Kuma kunche kuma na droma fo Mali oyena. Kidal mi lelen ko fe. Je dis aux autorités en clique. Amunu ye kelenke. Angana nyongon jafa. Force de changement, force de refondation, les militaires, angan kamangoro la ira nyongon na meka nyongon fulu. Angana do mwoko ka, pati ouye fere beke, ka anko do nyongon na. Shugel kata de, militaire ou main de, militaire ou kain de, shugel main de, maliki jawa ya duntan de, ni ya botan. Na manya ko an de fara la nyongon na, ki an ni victoire inke nyongon fe. Me mouni ba bali, ka on teke, Koulou doka dje aka intérêt personnel ko pour voir le pays. Est-ce qu'aujourd'hui les forces de changement plus les militaires et tout ça, enfin fait, est-ce qu'on a intérêt aujourd'hui à t'imagina ke candidat? Parce que kouma yine wouli balé mele, les forces de changement tout ça la mouwa yrema à t'imagina candidature ka nga plébiscité li. Mouma nga kouma a kouere. Maintenant le reste là, ça peut être géré autrement. Maintenant pas nous moukolochi, ni victoire mou na l'inflé. Nous ne pouvons pas faire une déclaration de Bauke. Quand le beau flatteur vit au dépens de celui qui le nourrit, nous devons nous faire une déclaration de Bauke. Ce seraient les mêmes choses, les mêmes partages de gâteaux, les mêmes idées. Parce que nous devons nous faire une déclaration de l'opposition. Donc, c'est important de demander un coup à Kliski. Mais quand on a dit que nous devons nous faire une il faut conserver le pouvoir. Mais c'est ce qu'il faut. Quand nous devons nous faire une déclaration de Bauke. C'est ce n'est pas le nom des partis politiques qui fait de la politique. La politique, c'est une stratégie et une méthode. La raison de faire la politique, c'est de rendre service à la population. Donc, quand le gouvernement est en train de décret d'application, mais lancé son logique. Ministre Alassane, Moussa Alassane, a eu un décret d'intérêt. Avec un barakémango,
Mais mieux concret, mon Jelendo, qu'il prenne le décret d'application des locations. Louancé Ware Akadji. Malembe Gela Munabini, Louancé Ware Djinaka, Bla Normuna, Abe Beri Lafia. Ou à quoi s'il l'a fait la décret d'application de l'hydron? Parce qu'il n'a pas de coco, il a mis le fantôme, il a fait la fiature. Donc, nous avons fait la fiature. 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 Nous avons Thank you.